Bonjour Johan et bonjour Nicolas. Donc groupe Mo qui s'installe pour une soirée à Terrasson. Formidable de revenir un peu au pays, ça va vous toucher, non? Non, ça va vous toucher, c'est un bien grand mot. On revient sur nos terres. Ça fait plaisir. Puis on en profite pour voir un peu nos familles. Et puis il y a plein de gens qui reviennent nous voir. Et voilà, ça fait. Ça, je pense qu'on va passer un bon concert. Pas les orages, on ne cherchait pas la fortune, on n'aimait pas rester sage, oh non, et l'on riait sous la lune, on mettait les mains en l'air, on disait on fait un vœu, on ne faisait pas de manière. On se contentait de peu, surtout pas de récompense, non jamais. On n'attendait rien de mieux, mais tout ça, c'était avant. Nos idées sont loin maintenant. C'est de là, de Terrasson, que tout a commencé quand même. Hein. Oui, c'est vrai qu'en plus on revient pas souvent, donc ça fait toujours plaisir. On attaque une nouvelle tournée, donc ça va lancer un petit peu la tournée d'été. Même s'il fait très chaud ce soir, ça va être, je pense, une ambiance. Il est bon de le préciser au public, ce soir c'est la canicule. Et on va mourir. Nous sommes des musiciens de l'extrême. Je vais compter ces quelques nombres. Combien de temps dure le bonheur? Combien de nuits passées ensemble? Combien de verres et de chaleur? Qu'est-ce que vous allez jouer ce soir? Toujours cet esprit pop-rock, festif, un peu soleil, hein, surtout soleil. Oui, ça c'est les percussions souvent qui amènent ce côté-là, un peu tribal, un peu musique africaine, percussion brésilienne aussi. Après, ce qui est bien, vu que maintenant il y a 5 albums et une 6e qui va sortir, ce qui fait qu'on a quand même une cinquantaine de créations. Donc sur 50 créations, ça permet que tout le monde y trouve un petit peu son... Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des titres comme En Cavale, par exemple, qui était le titre du 4e album, qui était un morceau, qui était le morceau que Johnny appréciait le plus sur la tournée. Et qui est vraiment aussi plébiscité par les gens, ouais, parce qu'il est un peu sympa, un peu rock, on chante tous les deux en même temps, enfin voilà. Il y a des morceaux qui sortent un peu du lot. Hein. Souvent on est étonné de ça, mais il y a beaucoup de personnes qui connaissent les paroles, ne serait-ce que les refrains, mais même les couplets parfois, ça fait plaisir. Merci. Muchas gracias amigos. Honnêtement, tout se passe très bien pour nous, malgré il y a déjà une visibilité qui est quand même, on va dire, régional, même parfois un peu national, parce qu'il y a plein de gens de toute la France qui nous suivent. Votre meilleur souvenir sur scène, parce qu'il y a quand même une vingtaine d'années derrière vous, là, même peut-être plus. Il y en a tellement. Il y a quand même, c'est vrai, quand on a suivi Johnny en tournée, c'était quand même des moments super forts, parce que c'est quelqu'un qui faisait tellement partie du paysage musical et qui nous a bercé. Enfin, c'est quelqu'un qu'on a écouté forcément et qui a bercé tellement de gens, qui a marqué tellement de gens, que d'être là, si près avec lui, ça laisse des émotions, des souvenirs. Et puis il y avait aussi l'adrénaline de monter sur scène avant lui, parce que c'était quand même quelque chose. Il y avait
Il y avait un enjeu, il y avait une pression, il y avait quelque chose. Vous avez joué combien de fois pour lui, pour Johnny ? On l'a suivi en 2012 et 2013. Et 2013, on a fait une tournée des Zéniths avec lui. 2014. C'était 2014 ? T'es sûr ? Oui. Déjà ? Pas sûr, c'est le moment cavale. Oui, c'est 2014. Bon. J'ai 70 ans. Bon. Encore mieux. Le mois de l'anniversaire, c'est 70 ans. Je pose la question différemment. Si vous aviez un merci à dire à quelqu'un, alors un parent, un prénom, un sponsor, je sais pas, ou... Ben justement, il n'y en a pas beaucoup. Ou quelqu'un qui vous a donné envie de prendre une guitare un jour, je sais pas. Alors, ah, oui. Ça, c'est des choses plus personnelles, oui. C'est des merci indirects, on va dire, de gens qui nous ont donné l'envie. Après, il y a Yannick Noah, qui a été le premier, en fait, à nous faire confiance. Et c'est lui qui... C'est parce qu'il y a eu cette première partie et qui... ça s'est très bien passé, qu'il y a pu y en avoir d'autres. Parce qu'il y a, en fait, il y a dans ce métier aussi un capital confiance. Et tu montes pas sur scène comme ça. Et donc Yannick Noah nous a laissé l'accès à la scène. Et après en deux, c'est Bruel qui, le ouais. seul, a vraiment nous a pas laissé comme ça, nous a introduit pendant son spectacle, il nous a... Comment ça ? Il nous a... Tu vois, il est venu. Ah, si, il y a eu Michael Jones aussi. Michael Jones, il nous a carrément proposé de chanter Je te donne avec lui. Il y a d'ailleurs une vidéo sur notre chaîne YouTube où on chante Je te donne avec Michael. La plupart ont été assez généreux. Il y a aussi la compagnie créée. Ah, moi, j'ai oublié celui-là. Mais pourquoi pas ? Elle est abonnée à Marie-Claire. Oui, quelqu'un qui vous a donné envie de jouer, de prendre une guitare. Oui, il y en a plein, il y en a tellement. Enfin, il y a des groupes français. Toi, c'est Brassens, toi. Mais j'aime bien, j'adore Brassens, téléphone énormément. Dire Straits. Quand on jouait sur la place des Martyrs, que j'avais 15 ans, on reprenait tout le rappel du téléphone. Ouais, donc, téléphone. Ouais, téléphone. Mmh. Les insus pour les jeunes. Ouais. Et après Dire Straits, cette génération-là, la musique pop. Toute la chanson française aussi. Cabrel, Goldman. Et même avant, Brassens, la clique. Brel qu'on a repris sur le dernier album. Donc il n'y aura pas de remerciements à un terrassonné dans le lot. Ce soir, il n'y aura pas de... Bon, on les remercie tous, les terrassonnés. Ils nous ont soutenus, ils nous ont... ils ont participé, mais après, oui, on n'oublie jamais d'où on vient. Après, aujourd'hui, on va partout, mais on revient. Alors, c'est des cœurs en anglais, mais facile, à base de ouh. Est-ce que vous savez faire ouh, les amis ? Plus fort ? C'est une patte de chien égaré. Un peu plus fort. Et plus aigu ? Encore plus aigu. Voilà, c'est bon. Je vous souhaite bonne continuation et puis peut-être à très bientôt à Terrasson. Avec plaisir, toujours. On reviendra. I'll be back. Au revoir. Super.